comment se calcule la rentabilité de votre opération immobilière? Je vais vous donner la réponse de notre calcul dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com et mon équipe et moi-même, nous accompagnons des centaines d'investisseurs sur le marché à Paris, en région parisienne, à Lyon. J'ai la chance de me trouver aujourd'hui à Monaco, on a une belle vue derrière. C'est un marché qui est explosif pour le marché immobilier, c'est plutôt un bon endroit pour parler d'immobilier à Monaco. Et moi, je voudrais plus précisément vous parler de la rentabilité d'une opération, comment est-ce que ça se calcule, qu'est-ce que ça veut dire et quels sont les facteurs que je dois prendre en compte. La première chose, c'est que pour calculer facilement la rentabilité, puisque c'est ce qui va permettre en fait de déterminer d'une opération à l'autre, quelle est la plus rentable, est-ce que c'est intéressant ou pas par rapport au seuil que vous vous êtes fixé et par rapport à la ville dans laquelle vous investissez pour savoir quelle est la moyenne de cette ville et si vous vous situez au-dessus ou en dessous de cette moyenne dans la zone géographique dans laquelle vous voulez investir. Premièrement, je vous invite à prendre l'entièreté de vos revenus locatifs annuels et à les diviser sur l'ensemble des coûts d'investissement de votre opération. Alors l'ensemble, ça veut dire quoi? Je vous invite à prendre le coût de l'appartement, les frais de notaire, des plans s'il y a un architecte, des travaux si vous en faites, du suivi de travaux s'il y a un prestataire qui suit vos travaux, la décoration, l'ameublement si vous faites du meublé, de manière à ce que ça vous fasse la somme totale et puis vous le multipliez par 100 pour le remettre en pourcentage et ça va vous donner la vision de la rentabilité de votre opération. J'ai la chance d'intervenir dans beaucoup de séminaires, de faire beaucoup de dîners d'investisseurs et il y a souvent cette question qui revient quand on discute avec un investisseur, c'est de dire quelle est ta rentabilité sur l'opération. On a l'impression que le premier répond 10, le deuxième répond 11 et le troisième répond 12% de rentabilité. C'est celui qui a répondu 12% de rentabilité qui a gagné. C'est complètement faux. Je vous invite vraiment à vous retirer au maximum de ce mindset et de cette façon de penser parce que ça va vous faire faire des mauvaises opérations. Pourquoi? Parce que la rentabilité unique ne peut pas guider votre facteur de décision. Je dis souvent, mieux vaut faire, si on prend cet exemple, mieux vaut faire un bon 6 de rentabilité qu'un mauvais 8 de rentabilité. Si c'est pour détenir un bien en souplex, avec des fenêtres qui sont des meurtrières, il n'y a aucune espèce d'intérêt de faire ce que j'appelle de la mauvaise rentabilité. Deuxième facteur à prendre en compte, et souvent les investisseurs l'oublient, le gros facteur clé de succès dans l'immobilier pour se constituer un empire immobilier, mais c'est le financement. Et je dis souvent, quelle est la vraie rentabilité de l'immobilier? Aujourd'hui, si on prend un exemple lambda, quelqu'un qui a investi à hauteur de 200 000 euros, qui par exemple met 20 000 euros d'apport et utilise le leverage, lève en banque 180 000 euros, il va se retrouver au bout de 20 ans propriétaire de ce bien-là. Sur un marché flat, sans inflation, 20 ans après par exemple, il est donc propriétaire de 200 000 euros et on sait très bien qu'on n'est pas sur un marché flat et qu'il va y avoir de la croissance et potentiellement une plus-value. Donc, quel est aujourd'hui le placement où vous mettez 20 000 euros et vous revenez dans 20 ans et vous êtes propriétaire d'un montant de 200 000 euros et plus en fonction de l'augmentation de l'immobilier? C'est simple, il n'y en a pas. Ou c'est des placements extrêmement risqués où vous allez mettre 20 000 euros dans une startup, 95% de ces startups vont fermer et les 5% vont effectivement se retrouver avec 200 000 euros et plus. Mais hors épiphénomène, il n'y a aucun placement avec ce type de rendement. Et quel est le lien avec la rentabilité? Le calcul de la vraie rentabilité, c'est l'effet de levier que vous avez en banque. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Moi, je vous invite à calculer la rentabilité avec effet de levier. Et dans ce cas-là, on n'est plus du tout sur des taux de 5, 6, 7, 10, 15, on est sur des taux de rentabilité énormes. Et c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. Et je vais même prendre un exemple très factuel. Quelqu'un aujourd'hui mobilise 20 000 euros d'apport pour les mettre dans son opération. Quand il va percevoir par exemple 12 000 euros de loyer annuel, puisque j'ai pris un exemple d'une opération à 6 %, ça va rapporter 12 000 euros de loyer à l'année pour 200 000 euros investis. Ça, le calcul fait 12 000 euros divisé par 200 000 fois 100, ça fait 6 % de rendement. Donc, il va avoir mobilisé 20 000 euros.
il va encaisser 12 000 euros par an. On va dire, pour respecter la règle, que dans ces 12 000 euros, il y a 2 000 euros d'intérêt, et pour faire des chiffres ronds, et 10 000 euros de capital amorti. Bah, il vient de s'enrichir de 10 000 euros, puisque c'est la fraction de 10 000 euros sur le bien qu'il a remboursé qui aujourd'hui lui appartiennent. Donc il a mobilisé 20 000 et à la fin de la première année, il a déjà gagné 10 000 euros. Ce sont des faits, c'est factuel. Bah, je mets 20, fin de la première année, je gagne 10, ça fait 50% de rendement. Et je pense que la manière dont les gens calculent la rentabilité en disant je fais 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15% de rentabilité, mais c'est complètement faux et c'est absurde de calculer la rentabilité de cette manière-là. Il faut le calculer avec l'effet de levier de la banque. Sinon, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Et maintenant, on va prendre un autre exemple. J'ai toujours ces 20 000 euros au départ. Je les mets en bourse. On va dire que la personne en bourse a très bien investi et a généré 20% de rendement à l'année, ce qui est énorme et ce qui est un excellent placement. Bah, il avait investi 20 000. Il a fait 20% de rendement, ça fait 4 000 euros de plus-value latente ou non s'il les a retirés avant fiscalité, mais ça reste 4 000 euros versus celui qui a utilisé l'effet de levier vient de s'enrichir en capital de 10 000 euros sans rien faire, sans effort et en continuant son rythme de vie. Et trop de personnes dans le calcul de la rentabilité se figent en disant bah, je fais 10% de rentabilité, c'est mieux que celui qui a fait 5% de rentabilité. Ce que je veux que vous ayez également en tête, parce que je pense que c'est très important, c'est quelle est la valeur de ce que je détiens. Et je prends souvent un exemple de quelqu'un qui vous dirait bah, j'ai un parking qui tourne à 10% de rendement. Si la valeur intrinsèque de ce parking vaut 10 000 euros, ça veut dire que sur le placement à 10%, cela va lui faire un gain de 1 000 euros. Versus quelqu'un qui vous dit je fais 5% de rendement, mais sur un bien à 200 000 euros, bah, ça fait 10 000 euros de gain, soit 10 fois plus, alors que le rendement est deux fois inférieur. Et je pense que c'est ça qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le rendement, bah, c'est de loin pas l'unique facteur à prendre en compte dans son choix d'investissement, parce que ce n'est pas forcément ce qui va nous générer à la fois le plus de cash demain. Donc, il y a vraiment le facteur à la fois de l'effet de levier à prendre en compte, le facteur de la valeur de ce que je détiens à la fin en termes d'immobilier qui va me permettre de savoir si j'ai envie ou non d'acheter ce bien-là. Je suis sûr que cette vidéo vous aura aidé à prendre une décision peut-être sur un investissement que vous êtes en train de réaliser ou vous êtes en train de réfléchir s'il faut le faire. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir l'intégralité de mes conseils de manière à gérer parfaitement votre opération immobilière et à avoir de bons conseils au bon moment. Et je vous dis à très bientôt.